Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Trufir Forsaken Souls partie 1. Je sais pas trop ce que ça aurait donné. Bouton indice normal. Ah, je montrais mon nom. Ouais, c'est un jeu que j'ai vu, je me suis dit, allez hop, on va tenter. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, fais-moi rêver. Mystérieuse disparition d'une créature aperçue des environs de l'île Darkfall. Docteur Kane assure que les rumeurs. Putain, j'ai plus le temps de lire. Fantôme, patient décédé. Dax Falls, Asylum Security. Apparition avant l'incendie du bloc A. Je crois que c'est une radio en fait qui parle. Non? On n'en sait rien. Y'a pas de voix dans le jeu? Oula! Bonjour, voici aux urgences de Centrale Nancy. Ah, c'est un peu comme ça, on dirait. Hôpital Saint-Julien, bonjour! Allô, ici le Chubrabois! Ouh! Donc il est partout à la fois ce méchant. Ah non, c'est la même. Non, c'est la même caméra. Enfin, c'est la. C'est la même pièce. Ouais, c'est la même pièce en fait. Je crois que c'est un point and click, j'espère. Oui, il sort sur la manette. Non, moi j'entre pas, ouais. Non, tu peux refermer. Je joue donc le dernier des cons sur Terre. Waouh. Ah putain, j'en palpite. Ah, je joue une fille? Je crois que c'était un mec que je jouais. Un docteur, non? Je dors. C'était où c'est l'aide interactive? Ouais, si tu veux. Quel arrive le cauchemar? Heureusement que les coups m'ont réveillé. Putain, j'ai pas le temps de lire, espèce de con. Ah oui, je peux cliquer là-dessus, d'accord. L'ampoule a brûlé, il devrait y avoir une de rechange dans le tiroir. Enlever l'abat-jour. Oh. Retirer l'ampoule grillée. Ah oui, d'accord. Ouvrez le tiroir pour chercher une nouvelle ampoule. Wouah, vous avez trouvé l'ampoule. Merci. Merci ma couille. Tu as le temps de taper quand il veut. Ok. Surprise de ne pas avoir été réveillé par la tempête. Prends ton temps. Guide. Oh, après il y a 7 chapitres. On verra bien. Rien ici, rien là. On va voir qui c'est qui toque. Ok. Ça veut pas indiquer que vous pouvez examiner une zone de plus près. Zoomer maintenant sur le Judas. Je vais louper. Judas, fils de pute. Une lettre à 7 heures. J'ai vu la gueule du mec. Il toque pas, regardez. Pas de tout de ma gueule, le jeu. Ah bah non, faut que l'enlève, je suis con. Je devrais la laisser fermer. Ah bon? Ah oui, oui, pour le la fermer et ouvrir. Je suis quand même intelligent, messieurs. Wesh. Reçu. Une lettre recommandée pour vous. Signez, s'il vous plaît.
5,75. Lire au verso les instructions. Moi, je veux lire au verso les instructions. Ah, on m'en donne pas le droit. D'accord. Petite sœur. Petite sœur. Je connais ta peine, ta douleur. Je suis vraiment navré d'avoir disparu. Quoi? Je suis désolé de ne pas t'avoir envoyé de nouvelles depuis tant d'années. C'était pour te protéger. Hélas, le temps est venu de t'apprendre la vérité sur moi, sur notre mère et surtout sur toi. Une adresse 6 juin, s'il te plaît. Viens dès que tu recevras ceci. Je t'ai toujours aimé, je suis vraiment désolé. J'espère que tu me comprends. Ta sœur, Heather. Ok. My sister. I didn't hear from her for almost 10 years. Ouais, tu peux pas parler français. Elle a pas entendu parler d'elle depuis 10 ans. Je pensais que c'était pas sous-titré en français. Ah, dis pas que le jeu en anglais hein, est juste un peu sous-titré. Oh putain, c'est vachement. We were very close with my sister. Ah là, c'est sous-titré. And then shortly after our mother's death, she just disappeared. Ah, ça arrive hein. It was almost 10 years ago. And I have never heard from her again. Oh, t'es mieux sans elle. What could have happened to her? Elle est morte. Oh, pardon. Wow, 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 c'est quoi ça? Récompense obtenue, la patience est une vertu. Acte 1, ou en lettres de sang. Comme dans Chair de poule. Ah, mais j'ai un nouveau truc. Quel cauchemar! Qu'est-ce qui s'est produit dans cet hôpital? Je me souviens d'un nom. Darksfels. Heureusement que Factor m'a réveillé. Mais n'est-ce pas une drôle d'heure pour cela? Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est quoi ces bruits? Hey! Pied de biche pour me battre avec ça. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Heather Stenhouse, c'est bien le nom de ma sœur. L'aurais-je retrouvé après toutes ces années? C'est quoi ces bruits, putain? Non, je voulais pas sortir. Merci. Ouais, merci. Ah. La porte ne cède pas, on dirait qu'il manque des éléments. Je t'en coupe de pite bise dans le cul. Il doit y avoir une façon plus civilisée de l'ouvrir. Ah merde. Étrange, le portail est condamné. Ouais. T'inquiète, ma couille. Oh, faut tout enlever. Trouver 7 morceaux de mosaïque. Ah d'accord. J'ai trouvé 7 morceaux. C'est pas très compliqué, tu me diras. Vue perçante. Cela pourrait être utile. Quelle boîte est effrayante, comme tout le reste ici. Reconstituer une image, faites glisser chaque pièce vers le centre, c'est sincère parfaitement. Oh attends, c'est chiant ça. Ah non, si. Attends, ça va. Ça va là, ça, non? Ah! Celui-là, c'est bon. Il me semble, non? Ça fait une espèce de colombe. Ah non, ça va de l'autre côté. Ça fait une espèce de colombe, en fait. Je vois bien un peu comment c'est. Attends, ça se fait un angle, non? Ah, au début? Ouais, donc ça se fout en haut. Eh bien. Attends. Ouais, ça se fout pas là, ça. Là? Ah oui, là. Ça là. Attends, ça se met où ça?
Ici? Non. Attends. Il manque des trucs là. Ah non, ça là. Il manque. Ah ouais, ça. Attends, ça va où ça? Ah. Ah oui, y a ça. Oh, Même toi, il est caché le truc, comment vous voulez que. Qu'on s'y retrouve. Ah là, survivant. Oh wesh! C'est beaucoup de lettres à lire, messieurs. Cher Mademoiselle Stenhouse, nous avons bien reçu votre demande d'information pour la passante Dahlia S. Nous vous invitons à venir vous rendre visite afin que nous puissions répondre à toutes vos questions. Venez vite, ne nous forcez pas à venir vous voir. Mais oh, c'est plus pour qui lui? C'est une lettre provenant d'un hôpital au nom étrange, l'asile de Dark Falls. Elle n'en semble aucune lettre officielle que j'ai vue. Et qui est Dahlia S? Bah écoute, je n'en sais rien. Ouais. Ah, on s'en fout de ces lettres. Ah, parce qu'il y a une clé en fait, d'accord. C'est même filé un max de récompense. En fou, c'est pas grand chose. Yeah! Bon, une mamie qui se balade, a priori. Qu'est-ce que c'était? Bah, une mamie qui se balade. Putain, ça. Qu'est-ce que c'est? Une poupée et une lampe. Pourquoi il y a une bougie allumée? On l'a peut-être laissée pour moi. Coucou Annabelle, coucou! Moi je te prends. La poupée préférée de ma soeur! Elle a l'air un peu différent. Ah tiens, c'est mis là, c'est marrant. C'est plutôt marrant. Ah un gant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans un gant de jardin? C'est mis là, la poupée, c'est marrant. Un autre. Visiblement non. Ah, non. C'est juste un peu peur, mais c'est pas trop grave. S'agit-il de poupée vaudou? Ah, moi je pense. Ok, dites-moi que c'est seulement lourd. La porte n'est pas fermée à clé, mais le loquet est fermé. Je vais pas me prendre d'autre choix que de casser la vitre. T'inquiète, ma couille, je suis là. Après, j'imagine qu'il faut virer les trucs avec ça. Voilà, ouais, c'était pas très compliqué. Entrons dans l'Inde de la folie. Oula. Ha! Oh putain, j'ai eu peur, j'ai écouté un truc. This is das. Morceau de dessin. Ah d'accord. Allez, c'est l'écharpe de Christophe Barbier. On vient là, toi. Cet endroit a l'air abandonné depuis des années. Je fais le même rêve récurrent. Une sorte d'hôpital. Ah bah comme moi. Tout ce sang, cet endroit m'est si familier, et pourtant, je ne suis jamais venu. Cela n'a pas de sens. C'est comme si elle décrivait mon rêve de tout à l'heure. Oh, comme c'est étrange. Chloé, pourquoi ne serais-je pas surprise? Ah putain, je l'ouvre comment? T'es gozeux. Le balai est cassé, la corde a dû pourrir avec le temps. Qu'est-ce que c'est? Emblème d'œil. D'accord. Je ne réponds pas pour l'escalier, je vais passer à travers.
Je devrais boucher le trou pour pouvoir monter. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce... Une clé? Clé du salon, d'accord. Mais oui, il faut que je trouve la clé. Après, je vais aller voir là-haut. Pourquoi elle me regarde? Putain. Oh, cool, j'ai une carte. Ton position actuelle est signalée par une étoile. Les endroits où des actions sont possibles sont signalés par un point d'exclamation. Ah, c'est sympa ça. Bon, elle est là. Il fait trop sombre, j'ai besoin de lumière. Ah merde. Non, mais dégage toi, l'œil. L'œil du tigre. Une scène d'objets cachés. C'est-à-dire. Sûr, ça va de briser le verre. Tournevis. Ok. Un pinceau. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tamis? Bah d'accord, ok. Oh, qu'est-ce que c'est? S'il y avait quelque chose de coupant dessus, utilisez la brosse pour nettoyer le sable. Ah, je suis pour. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air dégueulasse. Marteau. Marteau piqueur. Tiens, espèce de connard. Rien à battre. Propriété privée, rien à foutre. Mouchoir. Pour nettoyer. La clé est dans les parages. Là, je me disais bien. Des clous? Oh, t'inquiète ma couille. Imaginez, ça saute, tu te prends les clous dans l'œil. Ah! Il y a trop d'éclats dans ça, prends les vis à main nue. Ok. D'accord. Ah, il y a un truc là. Il y a trop les trois vis manquantes. Ah, voilà. Bon, pour le moment, c'est pas très compliqué. Non. Yeah! La clé! Un coffre comme ça, c'est mis dans le machin. Rien à foutre. Ah. Cela pourrait être utile. Règle. Oh, il y a plein de trucs ici, attends. Le coursier. Oh. Il travaille pour une entreprise privée locale. Quand vous les appelez, il livre le courrier immédiatement. Pourquoi Heather aurait-elle envoyé un courrier en urgence alors qu'elle pouvait m'appeler? Mon numéro est dans l'annuaire, elle aurait pu le trouver si c'était vraiment urgent et qu'elle avait des problèmes. Pourquoi ne pas simplement venir ici? Et si la lettre aurait été envoyée cette nuit, pourquoi cette maison semble-t-elle abandonnée depuis des années? Non, c'est ce qu'elle pensait, d'accord. Ah, marrant. Qu'est-ce que c'est? Planche. 1 sur 4, merde. C'est dégoûtant, il est inconcevable que quelqu'un ait pu vivre ici récemment. Oh, tu sais... Il y a un PC. Ah, un truc là. Une clé plate. Tu viens d'une clé spéciale. Quelque chose de fin. Ouais, ça marche. Oula. Ça a pas l'air d'avoir été touché depuis des années. Ouais, c'est dégueulasse, tu peux le dire. Un cutter. Ça c'est quoi? Une pile? Un fusil. Wesh. Je pensais que je me... Je pourrais me faire électrocuter. Pas. Pourquoi ton fils? Apparemment l'asile a été fermé il y a des années, mais alors qui répond à mes lettres? Qui m'appelle tous les jours? J'ai trouvé ce qui semblait être une page du journal de ma soeur. Ah, je l'ai pas lu dans le bon ordre, désolé.
fusible. J'imagine qu'il faut que je ressorte. Ici, il y avait un truc, non? Ouais, avec le cutter, ça va aller. Non. Avec le fusible. Morceau de dessin. Attends, je crois que je peux foutre un fusible parce qu'il manquait de la lumière. Oh ouais, oh je suis con. Ouais. Ah merde. Ah d'accord, oui. Ok, il faut un fusible, voilà. Tu peux appeler MacGyver. Je l'ai ton putain de fusible. Ah oui, d'accord, il faut enlever le mauvais pour foutre le bon. Remplacer le fusible, actionner l'interrupteur pour allumer la lumière. Ok. Ah, d'accord, oui. Ah non, putain, pas ce style de jeu, je suis nul à ça. Hey. Ah mais putain, il fait chier celui-là. Putain, quel horreur. Attends, si j'appuie... Ouais. Eh hey, Nora, j'ai rageux. Comme dirait Florian, je ne peux pas empêcher les rageux de rager. C'est que ce... Un projecteur de chantier, si le projecteur nécessite une batterie puissante. Oh bon. Oh peut-être. Oh putain, il y a combien de... Vous avez eu? Il y a combien de trucs? Pourquoi fermer la cave de la sorte? Je me demande si je devrais les ouvrir. En tout cas, je prends la planche. Hein. Pourquoi barricader la porte de son propre sous-sol? Pour empêcher quelque chose de sortir, je pense. Ah, il y a un truc ici. Asile de Darkfall, c'est un endroit de mon cauchemar où quelque chose d'horrible s'est passé. C'est un petit peu étrange tout ça. Personnellement, j'ai peur. Bon. Il faut des planches de bois là. Oh merde. Je n'ai rien vu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Une porte qui bouge toute seule. Qu'une idée. Oh putain, le bordel ici. Ah. Oh, je prends le crayon. Quel drôle de coffret. On dirait qu'il manque un des bras. Ah oui, c'est vrai là-haut. Je suis en coup de cutter, moi. Je peux me défendre avec le cutter, vous avez vu? Comme Nick Cutters, les portes du temps. Oh non, c'était ça? Moi, je sais plus. Je m'en bats les steaks. Ah! En l'air! Ah, ou les gants. Mystery Valley. Je l'ai lu, histoire intéressante, mais beaucoup trop courte. C'est pas un autre jeu d'énigmes, ça, Mystery Valley? Il me semble, non? C'est peut-être anodin, mais il manque tous les couteaux. Ah oui, c'est un peu gênant. Il manque tous les couteaux. Ah, vous avez vu quand même? Putain, mais rien dedans. Oh putain, je me suis fait avoir. What is this? Emblème de serpent. Oui, il manque tous les couteaux, merci. Ah non, 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 je voulais... Putain, il n'y a pas un rat qui vient de passer ou une saloperie? Ah, un cafard, putain. C'est grippé par la rouille. Avec un coup de cutter, ça part. Ah, c'est marrant, ça. Ah, il y a Dahlia, oui. C'est mon nom. Oli, c'est moi. Aether, c'est la sœur. Et Dahlia, c'est qui? Ah. Je vais devoir l'enlever. Avec le cutter! Ouais! Alors les rageux. Oh putain, je vais prendre des œufs, j'ai faim. Qu'est-ce que c'est? Ampoule de lumière noire. Oh, par contre, je vais prendre le pif. Non, il veut pas. Oh, je vais prendre la moisissure, c'est bon ça. Burk, des toiles d'araignée, oh, ça va, arrête de t'exciter.
Quoi, tu veux pas le... Prends le crayon, je pense que ça marche. Non, visiblement non. Ok, moi je vais revenir là. Non, pas là. Ici. Le four. Il y a toujours l'eau courante, je devrais... Je pourrais remplir ou faire tremper quelque chose ici. Moi j'ai rien à faire tremper, peut-être ça. C'est décidément pas cela. Là je peux aller là-bas, c'est bien ça. Bon là y'a rien d'autre. Non d'accord, ok ok c'est bon. Ok je peux regarder là-haut. Ah non d'accord, ok. Oula c'est quoi ce bordel? Il semble qu'il manque un médaillon, si je le trouve la porte s'ouvrira peut-être. Mais c'est quoi le... On dirait que ce lierre vient juste de pousser ici. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu me manques, Oli. Une photo de ma sœur et moi. Si elle pense à moi, pourquoi elle ne s'est jamais donné la peine de me contacter? Bah ouais, elle fait chier, tu sais. Le cadenas est rouillé, ne veut pas bouger. Avec mes grands caoutchoucs, ça va passer. Ah, faut que j'arrête de dire. Les poignons ont disparu. Ah oui, c'est un peu gênant, ça. C'est quoi, ça clou? Rien d'intéressant. Il y a une planche de bois. Mais à part ça, il n'y a rien ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, elle écrit autre chose. Les vitres sont en attaque. Ah! C'est quoi ça? Le seau est pris dans la glace. Une fois éteint le congélateur, se prend des jours que la glace ne fonde. Mais le bouton de givrage est gelé, vraiment utile. Bah ouais, écoute. Ça c'est du sang, hein. L'autre note de ma sœur. A-t-elle vu cette fille étrange comme moi? Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un. J'en suis sûr maintenant. Il y a quelqu'un dans la maison avec moi, je ne suis pas folle. Je vois que les objets ont été déplacés quand je reviens dans une pièce. J'entends quelqu'un marcher, et hier j'ai vraiment vu cette chose debout dans le couloir. C'est impossible à dire. Je prends les gants. Non, j'ai juste dessin. Il faut un code pour ouvrir ce cadenas. Vous voyez, cassé, c'est pas comme ça que je pouvais défoncer la porte. Il me faudra un tournevis. Ah ouais. Eh ben. Donc c'est un jeu de recherche finalement. C'est plutôt sympathique. Ah merde, non! J'ai vu une planche là, je peux. Je peux pas prendre la. Voilà, bon j'ai mes 4 planches, c'est bien. Je vais pouvoir monter. Yeah! Je crois que j'aurais coulé les planches. Bah, j'ai les clous, c'est bien. Yeah! Qu'est-ce que. Je ne peux pas aller plus loin. Je peux essayer de marcher sur le bord pour risquer de passer à travers et me casser une jambe. Bah, je fais quoi? Faut que je fasse un truc? J'ai rien compris, bref, peu importe. On va venir ici. Ah non, j'ai les gants en caoutchouc, je peux les prendre ça. Parce que caoutchouc ne conduit pas à l'électricité. Ah. Je suis filmé. Je n'aurais pas. Non. C'est Sadako dans The Ring. Je vais avoir une drôle de tête après. Que m'arrive-t-il? Je ne sais avoir cette fille effrayante. Ce travail peut être un cauchemar. Je ne crois pas avoir jamais eu aussi peur, mais je ne peux pas abandonner maintenant. Oh bah si, on peut toujours abandonner. Nous pouvons toujours abandonner, mademoiselle. Moi, j'imagine qu'un an, je peux clouer les planches. Ouais.
Et voilà, je peux maintenant aller. En haut. Alors, en haut, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ok, le port. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, encore un machin comme ça. Emblème de serpent. Ah, bah, j'en ai deux, d'accord. Bah. Ah. Je me souviens de cette photo. C'est grand-père qui l'a prise. Une minute, il n'y avait personne d'autre dans la maison. Or, qui se tient derrière la fenêtre au premier étage? Notre mère verrouillait toujours le premier étage. Nous n'étions pas autorisés à monter là-haut. Ah, il y a quelqu'un là-haut. C'est suspect tout ça. Ma sœur était obsédée par les livres sur le paranormal, les rituels anciens et les démons. Non seulement elle semble avoir étudié les livres sur le sujet, mais elle a rempli sa maison de toutes sortes d'amulettes de protection. Oui, c'est ce qu'on a vu en arrivant. En jugeant par leur éclectisme, elle ne devait pas savoir exactement de quoi se protéger. De moi. Pourquoi ma sœur a-t-elle autant de livres sur le surnaturel et la démonologie? Ah, elle a lu Baudin? Un autre. Ah, les araignées partout, c'est dégueulasse. Ça, j'imagine que ça devait être sa chambre. Toutes les fenêtres sont barricadées, ça n'a pas de sens. Ouais, train à battre. Oh, c'est quoi ça? C'est verrouillé. Pardon, c'est verrouillé. Où est la clé? Dans ton cul. Ah merde, c'est le même truc en fait. D'accord. Je croyais qu'on pouvait voir en dessous. Oh! Un oiseau. Oh là, qu'est-ce que j'en sais, moi. Le bureau est fermé avec un code, mais tout est fermé avec un code. Il était parano, quoi. Ah. Cette maison, elle est abandonnée, mais pourquoi la lumière s'est-elle toujours allumée? Ouais, c'est clair, ouais. On dirait qu'il manque une pièce. Alors, j'en ai eu deux. On va tenter celle-là. Merde, c'est pas celle-là. Non, c'est pas ça. Ah, bah si, ça, l'œil. Waouh! Je cache une lampe torche dans un machin. Lampe de poche, ok. Non, non, je vais pas la prendre. Ok, c'est toujours la même connerie. Ok. J'ai l'air d'avoir quelque chose. Oh, je peux aller voir dehors? Ah, c'est écrit. Il y a une grille sur la fenêtre avec une clé plate, je pourrais l'enlever. Non, bah je peux l'enlever, j'ai la clé plate, non? Je l'avais pas récupéré la clé plate? Ah non. M'en l'air! Oh, parfait, j'ai les deux trucs. Là, oui, voilà, c'était là. Permuté, faites tourner chaque. Merde, c'est là. Attends, comment je. Ah, d'accord. Ah, c'est dans quoi que j'ai eu un truc comme ça? C'est dans Hercule Poirot, ABC Murder. Donc il y a un jeu qui existe, vous pouvez le trouver sur Steam. C'était sympa, mais bon. Comme moi. Ouais, je peux les faire permuter en fait. Ah oui, c'est ça, oui. Je me disais bien. Donc celui-là il va pas loin en tout cas. Hop. Ah, celui-là est bon, vous avez vu. Comme j'avais déjà lu l'histoire, je savais comment ça se passait. Hein. Ah oui, bien. Je suis pas sûr que celui-là. Non. Alors je prends et je le mets là. Voilà. Ah, je suis un bon. Mon énigme est pas très compliqué aussi, vous me direz. Survivant. Ah, c'est une batterie. Bah, la batterie pour le projecteur, tiens. Ah non, je vais pas rentrer. Oh putain, ça a l'air d'être une salle de bain, non? Ah. Ah, pince coupante. Ah, je vais couper les barreaux avec la pince. C'est une pince coupante, pas simple pince. Ce serait pratique si vous vous trouvez juste là où on avait besoin, n'est-ce pas? Même le jeu se fout de la gueule du propre jeu. Ah. Quelque chose scintille dans les arbres. Ah bah attends. Non?
Je dois essayer autre chose. De la lumière noire. La prochaine fois, je ferai la magie noire, la magie noire. Nanana. J'ai vu qui chantait ça. La magie noire, nanana. Ah merde, non, attends. Y'a un truc ici, non? Y'a quelque chose entortillé là-dedans. Ok, mais là y'a une... Au lit, enfant. J'avais 11 ans quand maman est morte. Iser m'a raconté que j'avais trouvé le corps, mais je me souviens d'un... Oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est moi au lit ou c'est moi Iser? Je sais plus. Après cela, la vie s'est arrêtée pendant un moment. Elle n'a plus jamais été comme avant. J'ai essayé de tout réparer. Notre maison, nos vies. Je pensais pouvoir tout refaire, mais la porte de sa chambre restait fermée. Nos grands-parents se querellaient plus que jamais. Bientôt, grand-père a déménagé dans son atelier, puis est mort. Ensuite, grand-mère est tombée malade, et ils ont déménagé dans un pensionnat près d'ici. Chacun rendait l'autre responsable de la mort de ma mère, et la maison tombait en ruine. Quand ma grand-mère est décédée, je suis parti reconstruire ma propre vie. Donc elle a une super vie, elle. Bon. Oh, je vais couper avec la pince coupante, et faut arrêter de rêver aussi. Avec le crayon. Avec le morceau de dessin. Bon, je ressors comment ici. Eh, hey, c'est quoi ces voix? Super. La porte est bloquée de l'intérieur, d'accord. J'ai regardé ça? Oui, j'ai regardé. Alors, j'ai la batterie. On la fout ici. Où est la batterie? Ah, voilà. L'ampoule a disparu. Bon, j'ai mis une ampoule de lumière noire. Waouh, sympa ça. Et les trucs. C'est le chinois pour moi, je ferais mieux de noter cela. Là, je crois qu'elle l'a noté, donc c'est bon. D'accord. Donc c'est le truc qui est en haut, j'imagine. Pour le moment, ça va, c'est pas compliqué. Alors. Ah bah, c'est noté là, parfait. Ah non, il faut. Ouais, d'accord. D'accord, j'ai compris. Alors, le machin là. Le machin dégueulasse. Le trombone. Espèce de truc et le Z comme Zoro. Car Zoro. T'es arrivé. Sans se presser. Le grand Zoro. Le beau Zoro. Avec sa cape et son grand chapeau. Ah oui, Henri Salvador, messieurs. Vous connaissez pas vous? Bah non, vous êtes con. Ouais, une lettre. Ah non, c'est une enveloppe, pardon. C'est un bon endroit pour brûler quelque chose. Je vais te brûler la tête. Une lime à ongles. Ok. Il manque des cloches. C'est toi la cloche. Merde. C'est toi la cloche. Il manque la poignée, je peux te forcer l'ouverture avec quelque chose. Bon, avec la lime à ongles. Un abattre. Du maquillage, ouais, cool. Pouah. On va chercher la clé. C'est normal, mais une chauve-souris, là, on s'en fout, t'es. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai refermé le truc, d'accord. Décapsuleur. Décapsuleur à bière. Ah non, pouah, attends, pouah, il y a une balance, ça, j'avais pas vu. Ah ouais, comme ça je peux récupérer le truc derrière. Allumette. Hop là. Allumette avec ça. Ouais. Allumette avec machin. Oh regardez, il y a un truc tout mignon. Une abeille. C'est Maya. Une petite abeille plane du long de Maya. Maya. Je vous fais tous les dessins animés si vous voulez. Ah, mais vraiment, de rien. Allez, un peu d'eau. Ok, la clé était dans l'enveloppe. Ok, j'ai rien compris. Peu importe. Une corde! Je vais pouvoir me pendre avec! Il ne me faut qu'un morceau de cette corde. On s'en bat les steaks. Qu'est-ce que c'est? Cloche. Non, je veux le dé. Moi, je joue au Monopoly. C'est où qu'il fallait mettre la cloche là où il y avait la pendule. Là. Voilà. Ok, c'est n'importe quoi. Ouais, je prends. Ciseaux.
Je me disais bien que la chauve-souris, il y a quelque chose à faire avec. On va couper la corde. Cela pourrait être utile. Ah bon? Ah, j'en suis pas sûr, je l'ai pris comme ça. Par contre, à quoi ça me servait une corde? On va refaire un tour en bas. Je me rappelle plus ce qu'il y avait. Attends. Là, il y avait un truc, il me semble. Ah oui, la clé est plate. Je peux pas couper un truc. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est quoi ça? Ah oui, non, mais c'est le même truc. Je peux ressortir au fait, merde. Non, mais dégage le crayon, putain. Attends, il y avait quoi ici déjà? Cloué. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Ah bah voilà. Attends, avec une pince coupante, t'enlèves les clous. Un peu étrange, non? Oh, l'argent! On peut même pas se payer un café avec un euro de nos jours. Ah, c'est vrai, sauf que c'est pas un billet d'euro ça, c'est un billet de dollar. Mais c'est gentil d'avoir dit ça. Sans intérêt, ah bon. Je pensais trouver quelque chose de plus précieux. J'ai cru que c'était quoi, un coffre-fort? Éponge sèche. Ah oui, par contre, ça c'est pas sans intérêt. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une éponge quoi? Y'avait quoi ici déjà? Je pourrais le réparer avec une nouvelle corde, ah oui. Et c'est quoi ça? Un balai. Un balai brosse. Ah mais putain, c'est chiant quand tu veux descendre. Je dois fouiller à mes maisons pour chercher des indices. Ah oui, donc je suis coincé ici. Et alors là-bas, il y avait quoi déjà? On fait le tour un peu partout, c'est marrant. Là, c'est quoi? Il manque un des bras. Oh, je peux foutre le crayon, non? Je pense que je vais mettre le crayon. Mais bordel, tu le prends le crayon? Non, ça marche pas. Il n'y a pas un truc ici. Ah bah oui, avec le balai. Hop, ciao les araignées. Coup de balai dans ton crâne. Tournevis. D'accord. C'est quoi ça? J'espère que je suis pas en train d'ouvrir une boîte de verre. Donc, le tournevis. Non, c'est pas ça. Ah, attends, éponge sèche, je peux la tremper. Si on met éponge sèche, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Non, viens là. Ah, mais putain! Ah, c'est pas pratique. Ouais, vous voyez? Le génie est ici. Le génie est présent. Éponge humide. D'accord. Bon, attends, il y avait pas un truc ouvert là? C'est peut-être un... Non, mais... Oh, non, je l'ai déjà vu ça. Il n'y a rien dedans. Ok, je sors. Ah putain, c'est vrai que c'est dégueulasse. Ah, j'ai pas vu ça. Ça n'a rien de semblable avec ce que je connais. Ouais, enfin, oui. Tu mets un coup d'éponge. Je veux le lustrer. Pourquoi il n'y a plus de son là? Ok, donc il faut nettoyer la vitre, j'imagine. Ah non, ça marche pas. Ah si, je me disais, oh. Le dessin me semble familier. Il y en a un à côté, ce sont 17-23. Ouais, c'est où qu'il y avait un truc? Pourquoi il n'y a plus de son là tout d'un coup? 17-23. Ah oui, c'était ça. Je me rappelais même plus qu'il y avait ça en fait. 17-23. 23, voilà les flics. Non, c'est 22. J'ai peur. C'est un épouvantard! Ah non. Qu'est-ce que. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a dans l'hôtel caché et tout dans n'importe quoi? Oh, faut que je fasse pour toutes les vis! C'est celle du haut que je visais, espèce de. Oh, laisse tomber. Du coup,
Ah, c'est une voiture! N'importe quoi. Par contre, il n'y a plus de son du tout, c'est un peu. On va tirer la glace. Bon, je retire avec le tournevis la glace. Ça casserait probablement le tout. D'accord. Ok. Pourriez casser, mais je pouvais défoncer la porte. Ah, je me disais bien. Je crois qu'on va avoir un truc qui va se balancer sur la gueule. Yeah! Ah, bah, me revoilà devant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh, faut faire le dessin. Bah, j'ai un autre morceau de dessin, bah, voilà à quoi ça servait. Et c'est l'heure de faire un petit puzzle. Alors, on va essayer de faire ça rapidement. Pas que ça soit. Attends. Oh, mais ça va même pas là, ça, c'est quoi les. Ça, en haut. Vous voyez, quand vous faites un puzzle. Ou un puzzle, comme disent les. Je sais même pas comment ça se dit. Personne ne le dit de la même prononciation. Il faut commencer à faire les bords. Voilà. Je vous apprends la vie, messieurs. Ou mes dames, plutôt. Peut-être c'est plus des dames qui font des puzzles. T'en avais des beaux, les machins hein, 3D. Non, c'était la déchet à faire, puis ça se cassait un petit peu, je trouvais. J'avais vu quand on faisait, c'était pas trop mal. Non, il va pas là, le machin. merde, il se fout, le truc, là. Ah, ici, putain. C'était caché par l'autre. Ah, j'espère qu'il me manque pas un bout. Non, ça. J'ai tout, j'ai tout. Ah, la lune est contente, vous avez vu? Elle sourit. Bah attends, c'est tout? Ça m'a permis de faire quoi? On sait rien. Ah non, je crois qu'elle a écrit un truc, attends. J'ai réparé le dessin. C'est comme un dessin d'enfant, mais un peu décalé. Bah ok, écoute. Pff, oh, là. Oh, c'est tombé. Ah, on bouge tout, en fait. Réorganisation! Ah, je bouge tout, moi j'ai pas. Je vais juste prendre ça. Essence à briquet, cool, on va foutre le feu dans quoi. Ah, je peux sortir là. Serais-je observé? Ok, un vieux puits là, c'est un peu glauque, messieurs. Je crois que quelqu'un marche là-bas. Ouais, bon, on va se barrer, non? Ah, une lettre. À force d'être assis ici. Je me sens si triste pour Heather. Elle devait se sentir si seule ici. À force d'être assis ici à écouter les arbres, j'en ai presque oublié où je suis. Je me demande comment les autres vivent. Sans se soucier, sans savoir. Je me demande comment Olivie. Ouais, d'outrage. J'ai un saut, je pourrais le descendre de là. Ah merde, je suis pas dessous. Chier. Ah attends, il y a un truc par terre, j'ai vu. Il fait trop froid pour ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai ma lampe! Qu'est-ce que c'est? C'est la bug préférée de Heather dans la fissure. Hélas, impossible d'attraper. Ouais, avec des cisailles, c'est bon. Non, avec un crayon. Ah, vous savez, il m'aurait fallu un tournevis comme dans. Une clé là, putain. Clé de l'or. Putain, fallait l'avoir. Comme dans. Ah merde! Dans Contradiction! Attends, y'a un truc là. Ouais, où j'avais trouvé avec un tournevis. Putain, y'a tellement de trucs à chercher quoi. Avec un tournevis, j'avais trouvé la pièce. Bon, c'était quoi que j'avais trouvé? Le collier de Kate, la fille qui était morte. Bon, j'ai la clé. LOL. Je vais utiliser sur quoi la clé plate, messieurs? Je me rappelle déjà plus. Putain, c'est sur quoi qu'il fallait l'utiliser? C'était en haut? Ah, c'était pas en haut, je suis sûr que c'était pas en haut. Bon, j'y vais quand même, parce que je suis un peu con. Attends, ça c'est quoi? Il faut quoi, une clé? Ah non, c'est là.
Ah merde, mais j'avais un tournevis. Il est où le tournevis? Ah putain, pourquoi je l'ai pas utilisé? Merde. Attention, je vais pouvoir défricher l'arme. Parce que j'ai la l'espèce de machin là. Ouais, cisaille. Comme je défriche tout bien, vous avez vu. C'est quoi ça? Oh putain, manuel du puits, je viens d'y aller. Espèce de con. Ah. Il y avait rien ici au fait. Attends, il n'y a pas un truc. Ah si c'est. Ah non, j'ai besoin de rien. J'ai rien dit. La manivelle du puits. Attends, ici il fallait un truc. Merde, ça va où c'est la voiture? Ici? Non, c'est pas ici. Oh attends, là ici j'ai l'essence à briquet. Ah ça marche pas, l'essence à briquet là-dessus. Il y a trop de... Pardon. Il y a trop de choses à voir. Je suis un peu perdu. Ah oui, c'est vrai qu'ils me mettent où? Ah merde, fait que j'utilise un truc là-haut, je pense. Oh, tant pis. Alors, la manivelle. Oh, pas. Oh, tiens, il y a des jumelles. Ah, fallait jouer en haut, putain, je les vois après. Je les vois qu'après, je suis con. Pourquoi la tourner maintenant? J'aurais d'abord descendre le seau. Ah oui, mais merde, j'ai pas de seau. Oh. Eh bah qu'est-ce que c'est compliqué. Eh non, dégage toi. Si on jouait, plutôt sympa. Bon, il faut aimer, après, faut aimer le genre. Hein. Et ça va, recherche d'objets comme ça, moi j'aime bien perso. Avec une petite histoire, ce serait bien que ça soit... Les histoires soient intéressantes, mais... Oh. Ah. Je sais même pas ce que je veux. Ah encore elle, pourquoi me suivrait-elle? Oh, me suivrait-elle de loin? Ça fait quelle heure ça? 7h40. Non, 6h45. Bah c'est cool mais. La pierre porte le symbole d'une horloge. Peut-être la position des aiguilles a-t-elle une importance? Waouh, merci. Ah ouais, mais c'est où qu'il fallait que je le fasse? Bah là où il y avait la machine, oui. Ah mais il manque une... Ah bah... Oh, je suis sûr que c'est... Peut-être ça? Hmm. Attends, on va voir. Ah, je peux y aller directement. Oh, mais c'est la fête au village dans ce cas. Ok, je pensais pas que je pouvais. Bah, il faut une clé plate, sinon. Oh, d'accord. Ah bah c'est plus simple, bref, ça casse un peu l'ambiance quoi. En fait tu me fais la clé plate, je suis con. Ouais c'est un peu craignos non. C'est sec, néanmoins je devrais le débrancher avant de le toucher. Bonne idée. Ils sont morts d'usage, mais les secs, je pourrais tenter de le réparer. Je dois trouver la notice, ah merde. Ah, ok, ça c'est quoi? Bon, ça c'est le même truc. Il manque la voiture sur le coffret. Oh merde. Reproduire le tableau que j'ai vu plus tôt. Alors c'est moins 3, 1, 2, 3. Attends. C'était ça, 1.
Je crois que c'était comme ça à peu près. Attends. 1, 1, 2. La lune, elle est là. Et l'autre compte carousel, il est en plein milieu. Ah, c'est bien trouvé. Attends. C'est pour ça? 3, 1, 2, 1. 3. Ah oui, non. 1, 2, 1, d'accord. 1, 2, 1. Mais comment faites-vous? Ok, super récompense. Ah, voilà, l'étoile. L'étoile de Judas. Ah, le briquet. Attends. Oula. Tiens. Ah, ça me fait un briquet, d'accord. J'ai trouvé une page du journal de ma sœur. Cette chose ne se cache plus. Quelque chose se tenait debout au coin du salon, à me regarder. Je n'ai pas osé allumer et suis monté. Elle m'a suivi. J'ai entendu les planches craquer, derrière moi. Mais je n'ai pas osé regarder en arrière. Moi aussi, j'ai peur. Donc elle l'a vu, elle aussi, l'espèce de monstre. Le monstre du lac. C'est quoi, c'est détachant. Ah, c'est pour enlever la trace de sang. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la salle de bain? Ah, du savon. Il y aurait quelque chose dans le pain de savon. Ok, bouchon d'évier. Tiens. J'imagine qu'il faut allumer. Non. Une bougie. Une allumette. Et un truc là. Une main! Il fait trop noir. T'inquiète, on fout le feu à tout ça. Il n'a rien à comprendre, le mec. Ok, on fout le feu à côté d'un produit assez dangereux. Pas de soucis. Ruban adhésif. Ah, je prends un truc ici. Un aimant. Mais non, pourquoi il est pas... Il y a un truc là, attends. Spatule. C'est bon. Pourquoi ça me... Ah non, il y avait un truc là. Je dois d'abord réparer le tuyau qui fuit. Ah, d'accord. Tiens. Oh, tiens. Ah non, en haut. Voilà. Il manque le robinet. Oh bon? Il manque le robinet. Qu'est-ce qui pourrait servir à faire un robinet? Attends, il y a un truc là. Oui. Ah, mais il y avait des trucs ici, putain. Ah, espèce de con, ouais. Ok, ça coule. Le savon dans l'eau chaude. Ah, puis il y a une lame à l'intérieur, d'accord. Ok, on prend l'élément, ok. Waouh, tout ça pour une super lame de rasoir, vous avez vu? Donc on coupe ça. Vous pouvez couper, je pense, à main nue, mais c'est pas trop grave. Et une pince à épiler, waouh. Oh messieurs, vous êtes contents? Une pince à épiler. Plutôt mesdames, peut-être. Attends, y'a un truc encore là-dedans?
Il me semble que non. Non, 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 il me semble que non. Non, je m'en bats les couilles. Il me semble qu'il n'y ait rien d'autre. Non, il n'y a rien, je pense. Oh, la carte, du coup, je peux me déplacer où je veux rapidement. C'est bien ça. Enfin, je retourne ici, je pourrais utiliser la carte magique. Le médaillon. On pourra entrer dans cette nouvelle pièce qui a l'air un peu dégueulasse, on doit dire. Ok, bon bah tout se passe bien. Nous sommes dans une maison à peu près normale, de gens civilisés. Qu'est-ce que c'est? Ah bah les voilà tous les couteaux. Écoutez, j'ai résolu l'enquête, les couteaux sont ici. Et une clé, une clé. Des clés pendent de centaines de couteaux. Ouais, pince à épiler. Pince à épiler. J'ai pas trouvé comment retirer les couteaux. Avec la pince à épiler. Ça prend 5 secondes. Ah. Cela ressemble à un cercle rituel. On dirait qu'il manque quelque chose dans les petits cercles. Un œil, une main. Un cœur, un œil, une main. Des lèvres, un peigne. Ce sont peut-être des indices pour trouver les objets associés au symbole. Ça a dû appartenir à ma sœur. Bah écoute, j'ai rien du tout. Quoique j'ai un briquet là. C'est pas possible. Heather, je suis désolé de t'avoir laissé affronter ici toute seule. Elle me comprend. Elle a promis de m'aider à me venger. Je n'avais personne et maintenant j'ai quelqu'un sur qui compter. Là, j'ai un peu changé la voix de la sœur. Hein. Mais je pense qu'elle est devenue folle alors. Arrivé à là. Oh, vous vivez un peu pour aérer, merde. Qu'est-ce que c'est? Ouvre boîte. Waouh. Brûler! Bah quoi? Il faut tout faire brûler. On va nettoyer ça avec du détachant. Pardon. Ah, j'ai un peu de mal à saisir les trucs. Waouh! Serait-ce une dent humaine? Bah écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes, on va dire. Oh là là, c'est un peu. Un peu glauque. Glauque quoi. Ça, c'est quoi? Ah oui, j'ai l'ouvre-boîte maintenant. Je peux ouvrir le truc. Oh, de la drogue! Ah non, c'est que plastique. Ouais, c'est tout de suite moins drôle, hein. Le puits, bah j'ai rien pour le puits, moi. J'ai toujours pas chopé le seau. Attends, c'est où cet endroit? Je suis jamais allé. Ah, il y avait une porte à côté, ok. Ah, d'accord. Oui, à côté de la salle de bain, donc il y avait une autre porte que je n'ai pas... Pourquoi je l'ai pas pris, ça? Ah oui, j'ai pas la notice. Ah d'accord, ok, oui. Ah il va là. Ma soeur s'est barricadée, mais ça n'a pas marché. Ah oui, barricadée du monstre qui est après moi, c'est ça. Ah. Ah oui, vous avez eu peur vous aussi. Ah! Oh putain, mais c'est horrible! C'est complètement dégueulasse! Que s'est-il passé en cette maison? Oui, bah je me le demande aussi. Donne ça, toi. Tiens-moi ça. C'est complètement tari ici. Il y a un truc là-haut, merde. Ah, on est obligé de repasser devant ça. Elle essaye d'entrer dans ma chambre! J'ai vu la poignée bouger, je n'ose pas sortir, elle était faite en bas, aidez-moi! J'ai trouvé une autre page du journal de ma sœur. Elle a sûrement écrite à la hâte. Était terrifiée par quelqu'un ou quelque chose qui s'est entré dans sa chambre. Avait-elle perdu la raison? Ah! Heather, enfant. Ma petite sœur Heather. J'ai toujours entendu dire que les jumelles ont un lien particulier. Ah, on est jumelles! Mais j'ai toujours été différente. Heather était si ouverte au monde et aux expériences nouvelles. Elle s'opposait toujours à l'autorité. Ouais, c'est une petite anarchiste. Elle jouait du djembé, non? À nuit debout. C'est elle qui a eu l'idée d'aller en cachette là-haut. Je n'ai pas... Je ne sais pas bien si c'était dû à son besoin d'explorer ou pour provoquer notre mère. Je sais qu'elle s'amusait de l'inquiétude de notre mère quand elle restait dans la propriété de Lodius.
La maison était assez extraordinaire. Elle a quitté la ville dès qu'elle l'a pu. Elle est presque plus jamais revenue à la maison. Puis elle arrivait à son obsession à propos de la mort de ma mère. Les théories du complot. Elle a lu, elle a écouté toutes les vidéos d'Alain Soral. La dernière fois que je l'ai vue, Heather m'a traité de traître. Parce que je ne l'aidais pas. Ce n'est pas moi qui avais abandonné la maison de notre grand-mère. Mais j'ai maintenant un bon travail, un merveilleux petit ami. Ah bon, j'ai un copain dans le... Est-ce qu'elle aurait pu avoir aussi parce qu'elle n'en parle pas, mais... Le personnage n'en parle pas. Donc a priori, ma sœur est une aigrie et une frustrée, alors que moi, je suis une yes life. Qu'est-ce que c'est que ça? Anti-rouille. Ouais, c'est marrant, ça. Oh, mais c'est dégueulasse. Ce reste les cheveux de ma sœur. Waouh, sympa, putain. Dégueulasse. Putain, le truc, ça me regarde, mais elle avait fumé pour foutre ça là-dedans. Bon, du coup, j'ai de l'anti-rouille. Merveilleux. C'est rien qu'une mèche de cheveux. Et soudain ressuscité. Souvenir du temps heureux. Duvisa. Non, c'est comment? Duvisa. D'un été. Ouais, un truc comme ça. Une mèche. Putain, je vais l'avoir dans la tête maintenant. Et soudain. Ah oui, j'ai la clé maintenant. Hop! Ah, ok. Ah, ça va, on se moque pas. Oh, c'est le crâne! C'est le crâne! Du crâne. Ah, oh, bah, je me suis viandé, oui. Le pouvoir du crâne ancestral! On dirait qu'on a dessiné quelque chose sur la page qui manque. Si je trouve un crayon, je peux peut-être retrouver une partie. Bah, écoutez! La chance veut que j'ai un crayon. On continue ce dessin. Crayonner la page, ça ne va pas être l'empreinte du dessin. Oh putain, ça fait mal foutu. Ça me rappelle dans... Dans Ella Noir. Los Angeles Noir. Je sais pas si vous avez déjà joué, c'est un jeu d'enquête un peu comme ça, où il fallait parfois un moment refaire ça. C'était un bon jeu, je l'avais sur... En fait, je pouvais faire comme ça. Je l'avais sur la console, sur la... Oh mais putain, il veut pas, sur la PS3. C'est sympathique, Ella Noir. Complètement corrompu là-dedans. Enfin, même si ça aurait pu mieux faire certaines enquêtes. J'aime bien les enquêtes de début parce qu'elles étaient. Elles étaient plutôt bien foutues. Après, bon, le Dahlia Noir, ils sont un peu viandés, je trouve. Après, ça porte un peu n'importe quoi. Mais c'était bien foutu. Enfin, surtout, vous compreniez rien si vous n'aviez pas répondu bien à toutes les questions. Comme moi la première fois, donc j'ai eu un peu de mal à comprendre. Ce dessin pourrait m'être utile. Ah bon? Pff, ouais, ok. Je cherche même plus, écoutez. L'anti-rouille, ce serait pour... Ici, peut-être. Ah non, ici, c'est... Attends, c'est quoi, ça? J'ai pas ramassé, là, non? Ah si, j'ai ramassé. Pourquoi j'ai un crâne, en fait? Ah, je peux en trouver 7, vous avez eu? 1 sur 7. Ah, c'est marrant. Peut-être que l'anti-rouille est efficace contre... Attends, j'ai un peu de tout, mais je me demande de quoi ça sert. Ok. Bah écoutez... Bah non, merde, c'est là où j'étais. Là, y'a quoi? Il fallait un truc d'anti-rouille ici? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ah putain, encore qu'ils ont mis le truc parce que... Ça marche vraiment comme ça, un truc d'anti-rouille. Notice de sèche-cheveux. Ah, parfait. Alors ici, donc là il y a le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, pardon. Oh bordel. Assembler le sèche-cheveux à l'aide des pièces. Ça y est, la notice comme guide. Ça doit être allumé, ça doit être éteint. Ça doit être au milieu. Là, il y a un truc dedans, non? Alors là, il y a des diodes, alors attention. Non, elle va ici? Ok, celle-là ici, celle-là là. Non, bah, c'est pas trop compliqué. Putain, ça marche au... C'est aussi dur à faire marcher que ça, hein, ces cheveux. J'en doute quand même un petit peu.
Ah oui, puis là il y a des trucs. Alors celle-là il y a plein de trucs. Elle est en bas. Ah, en fait je suis con, il y a juste les l'écran dessus. Ça va où ce? Eh. Ah, me dis pas qu'on va faire fondre le truc avec le sèche-cheveux, sérieusement. Bah visiblement si. Ouais c'est marrant j'avoue. Ah non on va pas tout faire, mais je me disais aussi. Allez, let's go. Moi je prends le saut. Hop. Oh non. Ok. Et je récupère un cœur. C'est le pendentif que ma mère a donné, Heather. Que faisait-il dans le puits? Et comme... Oh, je peux le... Il y a un truc par contre qui a... Encore? J'ai vu quelqu'un bouger dans les arbres. Non, ils s'en foutent. Alors, le pendentif. Ah, ils me disent qu'il y a encore un truc ici. Je pense qu'on peut déjà commencer à mettre quelques trucs ici. Mèche de cheveux. Pendentif. Dents. Pince à épiler pour... Ah, pour l'œil. Faut que je le foute dans l'œil. Ah. Ok. Non. Et c'est pour un fondement foncé que je peux même pas le faire bouger. Dommage, c'est un beau poignard. Attends, y'a un truc là. Il semble y avoir quelque chose à l'intérieur de cette énorme bougie. Je devrais essayer de la faire brûler. Ah bah voilà, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Emblème de trèfle. À mon avis, ça s'ouvre quelque part, ça. Visiblement, non. Qu'est-ce qu'il y aurait ici? Il n'y a plus rien à faire ici, ici. Qu'est-ce que j'aurais pas? Ah putain, il y avait un truc ici. Ah merde, putain. Vas-y pour le trouver, quoi. Bon, faut que je retourne à la... Bon, ça aide beaucoup quand même, ça. Je devrais pas trop m'aider de la carte, en fait. Ah merde, attends, c'était 6h, j'avais dit. 45. Ah bah voilà, je me l'enfilais directement. Encore un autre crâne. Qu'est-ce? Râteau. D'accord, râteau. J'en aurais besoin ici. Ah, parce qu'il y a des feuilles ici. Ah. Attends, faut chercher. Hein. On fout un coup de pied dedans, on récupère tout, sérieusement. Parfois un petit peu. Ah bah ça c'est la patte du pantin. Donc la patte du pantin qui se met ici. En fait tout s'assemble quoi. Main de la figurine. Figurine de Star Wars. Ah putain, faut voir le dessin. Attends, le dessin c'était... ouais, attends. Oula. Attends, comment ça... Comment que ça se tourne, ce truc? Attends. Je suis déjà perdu. Ok, il faut que ça, ça soit comme ça. Je sais plus comment il est, l'autre. Attends. Là, il est encore un peu trop... Oula, du calme. Oh, c'est la merde par contre celui-là, oula. Non, merde, c'est ça qu'il faut que je bouge.
Oh là là, c'est chiant ça. Oh, il est pas comme ça, je crois. Bras levé. Ah non, il est même pas du tout comme ça. C'est bon? Je crois pas que c'est ça. Voilà, j'ai réussi. Putain, j'ai mis une plombe. Je me souviens de ces lunettes, c'était les préférés de Heather. Écoute, merveilleux. Après, il me fallait faire un truc ici dans le puits. Ah, il fallait retirer ça, c'est vrai. Moi, j'avais oublié ça. On oublie beaucoup de choses dans la vie. Ah, bah, c'est ça, bug. Ah, du coup, il me reste plus qu'à aller ici. Je pense que j'arrive à la fin du premier acte. Oh, les lunettes pour les yeux. La bug ici. Ok, alors ça c'était un peu flippant quand même. Clé 8. Ah, faut que je trouve les clés. Waouh, c'est difficile, attendez. Je sais pas si j'y arriverai tout seul. Et du coup, merde, il m'en manque une ici. Cela pourrait être utile. Ah. Ah putain, ne dis pas qu'il faut que j'aille. Ouais, je sais, il faut que j'aille. Vous le savez comme moi. On va aller voir ce qui se cache ici. Vous êtes prêts, messieurs? Par contre, le briquet me sert à quoi? Je pense que là, nous allons trouver le monstre. La porte semble verrouillée depuis des années et pourtant ces bougies brûlent encore. Ouais. Si à la place j'aurais même pas été. Je n'y serais même pas allé. Oh, est-ce qu'on va retrouver la sœur morte? Ah mais dégage, truc passé. Ça... Elle va se retourner, elle aura la bouche. Oh tiens. Coucou. Bon. Et... Je ne sors pas là-dedans dans le noir. D'accord. Il y a quelque chose étendu là, mais il fait trop noir pour voir. Bah, c'était quoi le truc avant? C'était peut-être sa sœur. Bon, j'en ai compris. Oh! Ah oui, ils sont jumelles, c'est vrai. The police told me my sister had been dead for years. Ah oui. They asked me if I'd noticed anything. I lied. We used to spend all our time there. What was she trying to tell me?
N'écoutez pas les poupées. Ce qui s'est vraiment passé. Et bien voilà, c'était donc l'épisode 1 de True Forzaker, partie 1, je sais pas quoi. Bon, moi je continue à tout seul, je pense pas faire d'autres vidéos dessus parce que vous n'avez pas vous amusé à me regarder faire des. Trouver des objets cachés et compagnie. En tout cas, le jeu a l'air sympa, donc si vous aimez, autant l'essayer. Vous avez remarqué, j'ai gardé le briquet et le crâne. Ça, c'est une histoire plutôt sympathique. Je ne connais pas grand chose d'hallucination, mais elle m'a semblé bien réelle, bien que pas humaine. C'est ce qui me terrifie. Ah bah si, c'était moi finalement. Au début, elle semblait errer en m'ignorant, mais dans la cave, elle m'a directement regardé. Ça ne peut pas être le fantôme de ma sœur, parce qu'elle l'a vu aussi. De toute façon, je ne crois pas aux fantômes. Quelle que soit sa nature, ce n'est pas un désordre psychologique courant. Ah merde. Enfin bref. Et voilà. Donc c'était True Forzaker machin. À la prochaine.